Oui, la Norvège à la fête hein, sur ce Tour de France, puisqu'il s'agit de la deuxième victoire consécutive pour les coureurs norvégiens. Deuxième hier, Edvald Boasson-Hagen s'est imposé aujourd'hui pour sa deuxième victoire personnelle après son sprint victorieux à Lisieux. Mais derrière, c'est agité hein, dans la montée de Pinerolo. On a notamment vu Alberto Contador placer une première attaque, puis une deuxième attaque dans la descente, bien relayée par Samuel Sanchez, son compatriote. Et derrière, inquiétude. Inquiétude pour Thomas Vauclair, le maillot jaune de ce Tour de France. Ça fait un tout droit sur une terrasse chez un passant. Heureusement, plus de peur que de mal pour le coureur d'Europe Car qui a pu repartir. Mais Thomas Vauclair concède du temps sur tous ses principaux favoris, concurrents, dont Cadel Evans, les frères Schleck et bien sûr Alberto Contador, toujours sixième aujourd'hui. On verra si l'étape des Alpes demain sera fatale pour le Français, toujours porteur du maillot jaune aujourd'hui.